c'est le petit morceau 72, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super, comme vous l'aurez vu dans le titre et sur la miniature de la vidéo. Aujourd'hui on va réaliser cette tablette que vous voyez là-bas, comme si c'était un iPad tout simplement sur une table. Donc c'est très simple, on va se mettre juste sur le côté. Alors on va faire un mur comme il est juste là, donc regardez ça dépasse même pas. Alors on va faire un mur, de 7, de 3 de hauteur sur 7. Donc si jamais vous voulez faire chez vous, tout simplement dans votre maison ou quoi, eh bien, il faut impérativement un mur. Du coup de la taille que vous voulez, etc. Donc là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Donc là en fait je reproduis juste le modèle que j'ai trouvé ici. Donc je vous mettrai le crédit en description. Et du coup, hop, le sol, hop, en andésite, hop, voilà. Sur 7 également, comme ceci, hop, voilà, on se met ici, hop, et voilà. Donc on met le sol, très simplement, hop, à vous après de choisir les matériaux que vous voulez utiliser. Ensuite, on va placer un bloc de quartz ici, voilà, pour faire le support blanc, tout simplement, de l'iPad. Sur les côtés, on va mettre des planches d'acacia, donc moi pour ma part c'est de l'acacia. Vous pouvez choisir le bois que vous voulez ou la matière que vous voulez tout simplement. Vous allez ensuite mettre des escaliers, donc là c'est pour faire une table, voilà. Comme, donc un escalier comme ceci et l'autre pareil, voilà. Et avec une dalle d'acacia recouvrir juste ici. Et ensuite vous allez faire par exemple, hop, vous allez mettre une petite chaise, voilà, avec un escalier. Et donc ça vous fait la table. Alors ensuite on va directement mettre la décoration avant de passer à l'étape finale. Alors hop, le pot il est ici. On va mettre un pot de fleurs avec une fleur bleue, voilà, comme ceci par exemple. Alors pour réaliser la tablette comme elle est là-bas, eh ben, il faut tout simplement creuser, enfin casser derrière notre bloc de quartz. Mettre un bloc de quartz, juste mettre un bloc, n'importe de quartz ou ce que vous voulez, juste à un d'écart, comme ceci. Vous allez mettre ensuite deux rails, voilà. Et vous allez prendre les wagons AT&T, du coup que vous allez mettre ici, voilà. Et vous avez juste qu'à pousser le wagon tout à fait et fort pour qu'il rentre dans le bloc de quartz. Ensuite, vous pouvez casser hop, les rails. Et le bloc sans en faisant attention de ne pas casser le minecart, voilà. Et vous allez remettre des blocs derrière, et voilà, ça va fonctionner. Voilà, tout simplement. Et si jamais vous vous rapprochez, on voit la texture d'une tablette, sinon on la voit pas. Hein, et ça fait vraiment une tablette, ça fait vraiment l'iPad. Donc voilà. En tout cas les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez aimé cette vidéo, hein, que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos dans ce genre. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et à partager à max sur tous les réseaux sociaux. Et moi je vous dis à la prochaine, c'était iPod Gamer 172. Allez bye tout le monde.